Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on est en vidéo, on n'est pas en rediffusion live. Aujourd'hui on découvre les BB 7200 PV de chez SimExpress. Alors elles font partie du pack BB 4400 kW qui comprend entre autres les BB 22200 V160, les BB 7200 V660 et les BB 7200 PV, donc celle-ci. BB 7200 PV qui sont faites pour le fret. Elles sont limitées à 100 km/h, mais elles ont une capacité de traction bien supérieure. Vous allez pouvoir découvrir ça dans quelques instants dans cette vidéo. Alors, dans le pack de chez SimExpress, ce sont les 7200 PV aptes à l'unité multiple. Je crois qu'il y a quelques machines qui sont en réduction petite vitesse et qui ne sont pas aptes UEM, mais n'hésitez pas à corriger peut-être cette info ou apporter des infos dans les commentaires. On est sur la ligne de Saint-Amour à Bourg-en-Bresse, la ligne de Max. Nous sommes en gare de Saint-Amour avec cette composition de porte-conteneurs et de combinés. On regardera ça tout à l'heure. Alors, petit rappel historique rapide sur la 7200. Les BB 7200, elles sont livrées entre 1976 et 1986, donc en même temps que les BB 22200, et il s'agit de la variante courant 1500 volts, enfin tension 1500 volts continue des BB 22200. Donc évidemment, celles-ci, elles sont uniquement aptes aux 1500 volts continue. On va regarder, alors la puissance est de 4040 kW, j'ai oublié de préciser ça. On va les regarder d'un peu plus près, mais évidemment, la caisse est très similaire à la BB 22200, forcément, puisque c'est une variante, presque les mêmes machines, en tout cas au niveau du design, ce sont les mêmes. Il y a quelques éléments qui changent en toiture. Alors, au niveau des livrées, je parle simplement des BB 7200 PV, histoire qu'on ne se trompe pas trop et qu'on ne se perde pas. On a cette livrée-là, donc la livrée béton d'origine, on a la livrée fantôme et la livrée fret. Donc après, je vous présenterai aussi les BB 7200 V160 et les BB 22200 V160, mais ça sera pour plus tard. Donc au niveau des détails, donc là on est sur la livrée d'origine avec la numérotation comme ça, là en relief, en plaque émaillée, je ne sais pas trop ce que c'est. Comme sur la 22200 TVM, la plaque Alstom, la plaque Francor AMTE de l'autre côté. Alors sur certaines livrées, je crois que cette plaque-là, elle n'y est pas. Il me semble qu'il n'y a pas la plaque Francorail sur les livrées béton. Modernisé entre guillemets, c'est-à-dire la livrée béton avec le numéro de la machine qui est peint et non plus en relief. Sur cette livrée-là et sur cette machine-là en particulier, on a les plaques noires comme ça devant et derrière, alors que sur la 7401, on a une des faces où il n'y a plus la plaque d'identification, mais il y a la plaque qui est peinte, alors que de l'autre côté, elle est en version d'origine avec la plaque noire comme ça. Donc il y a des petites variantes. Est-ce qu'on va bien la voir? Oui, voilà. Donc celle-ci, ah oui, parce que d'accord, elle a le logo aussi SNCF moderne. C'est peut-être aussi pour ça. Alors qu'il me semble que celle-ci est vraiment en version. Ouais, celle-ci a l'air d'être en version totalement d'origine. Donc voilà, il y a des petites différences sur les livrées, c'est assez sympathique, ça permet aussi de recréer différentes époques si on n'a pas envie de rouler avec du matériel avec le nouveau logo. Au niveau de la toiture, on a évidemment deux pantographes 1500 volts, pantographes type AM18B. Alors ils sont en disposition entre guillemets conventionnelle, donc ils se font dos, contrairement au BB 22200 où ils sont dans le même axe. Là, ils sont bien dos à dos. Après, sur la toiture, bon, voilà, après, on connaissait déjà avec la 22200. Il y a un peu moins d'équipement, mais c'est très similaire, toujours aussi bien détaillé, évidemment. On va passer en cabine et on va commencer à mettre en service. On regardera la compo après. Alors, je n'ai pas desserré le frein à main tout de suite parce qu'on est dans une rampe de 12 pour 1000 et des fois, il y a un peu de dérive. Donc, on fera ça après en espérant que j'oublie pas. Alors, on va déverrouiller notre boîte à levier. On va se mettre sur le KVB FR et on va placer notre fiche train. On va essayer de trouver la bonne page puisque là on a la bonne ligne. Donc autant profiter. Voilà, c'est cette page-là. On va maintenant lever nos pantographes avec la clé, enfin le sélecteur qui est complètement à droite. On va lever les deux pantographes sur les deux machines.
ZDJ sur marche. On vérifie la tension en ligne, un peu plus de 1500 volts, 1600 volts, c'est parfait. Et on va pouvoir refermer nos disjoncteurs. Vous voyez que sur les pictogrammes, sur les voyants, on a les voyants des fonctions critiques, entre guillemets, donc les disjoncteurs et le convertisseur statique. On peut le voir sur les deux machines. Donc la machine du haut menante, c'est notre machine, ça celle de tête. Et la ligne, donc ça c'est pour la ligne du haut. Et la ligne du bas menée, c'est pour la machine qui est derrière. Bon, on va refermer le disjoncteur. Et on va mettre en fonction le compresseur. Et on va également mettre nos fanaux. Voilà. Alors, petite nouveauté quant au script KVB. Alors, il paraît que c'est pas forcément hyper réaliste, mais on peut éteindre la lampe. Alors, vous pouvez toujours l'éteindre, hein, la lampe signal fermé, avec le petit bouton extinction SF en dessous. Mais on peut aussi appuyer sur le bouton d'acquittement pour le faire. Voilà. Bon, apparemment, c'est pas... ça correspondrait pas tout à fait à ce qui se fait en vrai. Mais bon, sachez que c'est possible de le faire comme ça. Alors sur la gauche, on retrouve notre levier de frein direct complètement à gauche, le levier de frein de train, frein automatique, là, ici, au centre, le bouton grand débit pour alimenter. Et on a donc une clé de frein, on n'a plus l'interrupteur. Donc clé de frein, alors sur isolement, on peut rien faire, on peut ni serrer ni desserrer. Sur service, je vais le mettre dans un instant, c'est tout simplement le fonctionnement normal du frein. Et sur neutre, on peut quand même serrer, mais on ne peut pas réalimenter. Et sur neutre, ça permet de voir, dans la réalité, si on a des fuites à la conduite générale. Mais ce n'est pas reproduit dans le jeu, donc on ne s'en occupera pas. On va le mettre sur service. Donc, la conduite, enfin, le réservoir principal se réalimente à 3 bars. La CG va suivre. Alors, vous voyez qu'il y a un retard parce que on est sur un train de plus de 700 mètres, donc forcément, il faut un temps pour que la conduite générale suive, se réalimente. On va tout simplement appuyer sur le bouton grand débit et réalimenter nos freins et faire notre essai de frein. Donc, vous voyez que mon réservoir principal est réalimenté à 5 bars, mais ce n'est pas le cas de la conduite générale. Autant sur un train de voyageurs, on ne voit pas trop. Là, sur un train de 714 mètres, forcément, ça a eu une incidence. Donc, maintenant, on va serrer. 4 bars, autour de 4 bars, c'est bien. On va desserrer le frein direct, on va tester le frein automatique. Ouais, c'est bon. Hop, on resserre notre frein direct. On va réalimenter. On va tester notre frein d'urgence. Alors, on va attendre que la conduite générale revienne à 5 bars. Voilà, on y est quasiment. C'est bon. On constate bien la vidange de la conduite générale. On va réalimenter, on va tester notre veille automatique. On va donc tester notre veille automatique. On va y arriver. Et on a bien la disjonction et le vidange de la conduite générale. On réalimente. Et on va tester maintenant le contrôle d'appui. Donc, je disais, on va tester le contrôle d'appui. Au niveau du pupitre, évidemment, ça diffère un petit peu de la version de la BB22200. Déjà parce que c'est pas une BB22200, mais surtout parce que la BB22200 qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était la version TVM. Donc là, on est sur un pupitre classique. Alors, on retrouve les mêmes fonctions. Alors, l'essai de la veille automatique est terminé. On peut replacer l'interrupteur sur arrêt. On va tester notre KVB maintenant. Alors on a bien l'allumage des lampes, la disjonction et la vidange de la conduite générale. Alors ferme le disjoncteur. Je vais essayer
Là, c'est à 3 barres parce que j'ai pas envie que ça dérive trop quand même. Oui, je disais, après on retrouve la même fonction, mais les boutons ne sont pas au même endroit. Donc on retrouve de ce côté les boutons pour le frein électro-pneumatique normalement. On a le bouton pour la surcharge qui doit être ici à gauche de la clé de frein. Donc forcément, voilà, petite différence un peu de la 22200. Déjà, un, parce que comme je disais, c'est pas une 22200. Et surtout, bah, on n'est pas sur une version TVM. On a toujours en bas, bien sûr, notre boîte à levier, le cerclo pour le manipulateur traction, l'inverseur, le levier de mode de traction, le sifflet, les pantos, bon, la radio qui est ici, et les voltmètres et ampèremètres qui sont plus gros que sur la version TVM, évidemment. Et ici, on n'a pas, mais on aurait, sur les autres machines, sur la 7200 V160 et sur la 22200 V160, on aurait l'indicateur pour la vitesse imposée qu'on n'a pas ici. On a fait le test du KVB, on va déjà le régler. Donc, je vais revérifier notre longueur, 714 mètres. Donc, nous sommes à MA100. Alors, l'avantage, c'est que vu que les 7200 PV elles font que du fret, ben, en fait, de base, le KVB, dans le scénario, vient déjà sur 100 en vitesse limite et sur type marchandise. Donc, après, on n'a plus qu'à régler la longueur et éventuellement le coefficient de décélération. Alors nous, la longueur, faut la mettre sur 8 et on va laisser 0,85 parce que je sais pas. Normalement, ça marche assez bien comme ça. Et je valide les paramètres KVB, donc on suppose que l'essai de frein a eu lieu. On peut tester notre signal d'alerte lumineuse si on veut, en espérant qu'il n'y ait pas de train croiseur. Alors je vais y arriver. Voilà. Alors, donc, on va aller desserrer nos freins à main, sinon je sens que je vais oublier. Hop. Dans l'autre machine également. Hop. Et voilà. Donc, on n'est pas trop mal. L'inverseur en avant. Levier de traction, bah, sur traction. Alors évidemment, il n'y a pas de position VI, puisqu'on n'a pas de vitesse imposée. Alors, il y a une position dans la réalité pour réduire, je crois, la puissance, il me semble. Mais elle n'est pas accessible dans le jeu, puisque ce n'est pas scriptable. On va maintenant desserrer notre frein. Et on va pouvoir y aller. Donc, desserrage aussi du frein direct et départ. Alors, vous allez voir que la mise en vitesse, elle n'est pas forcément difficile, mais par contre, alors par contre, il faut que j'annule le sablage. On va arriver sur une aiguille, mais forcément, on n'est pas sur un train corail. Donc, combien j'ai dit? 1500. Ah oui, non, je vous l'ai pas dit d'ailleurs. On a 1510 tonnes, je crois. Alors, on va tester notre veille automatique en marche. Bon, elle fonctionne. Bon, je vais la couper parce qu'en vidéo, c'est pas simple à gérer. On coupe la traction. Bon, le train a l'air de rouler. Alors, forcément, on risque de perdre un peu de vitesse parce que bon, il y a quand même un poids à l'arrière et puis on est en rampe. Mais a priori, on n'a pas oublié de frein à rien. A noter que Sim Express a ajouté, je crois que ce n'était pas le cas sur la 22200 TVM, si vous partez avec un frein à main sur une des deux locks, si vous avez oublié, il vous le dit. Donc ça, c'est plutôt cool. On va peut-être faire une petite vue extérieure. On va baisser le panto avant sur les deux locks. Et puis on va regarder un peu la composition. Composition, attendez, je vais juste voir un truc. Ouais, là c'est pas trop mal. On est limité à 30 pour le passage de, enfin, sur la voie de service, donc il faut que notre train dégage l'aiguille pour pouvoir reprendre notre vitesse limite normale. Je disais donc qu'on a un train, bah, vous le voyez, hein, porte-conteneur et puis combiné. Vous verrez qu'en queue, j'ai mis quelques wagons type MVGV. Alors c'est surtout, je vais mettre un tout petit peu de traction quand même. C'est surtout, on va aller les voir d'ailleurs, on va pas attendre que tout le convoi passe. Alors bon, pourquoi j'ai mis ces wagons MVGV en queue de train? Bon, déjà ça pourrait être de l'acheminement, on pourrait profiter du train. Et surtout, c'est pour les feux, parce que ces wagons-là,
Les feux sont pas trop compatibles, ou ils en ont pas, ou on les voit pas bien. Donc, j'ai mis ces wagons surtout pour avoir, vous voyez qu'on a les bons feux de fin de convoi. Je sais que c'est très important pour certaines personnes qui regarderont la vidéo. Bon, allez, on reprend notre mise en vitesse. Alors, le risque, c'est de patiner. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de patinage, mais vous avez vu que la locomotive a sablé, enfin, les locomotives d'ailleurs ont sablé pour le départ. Bon, bah, ce qui est normal, hein, en rampe et tout. Donc, forcément, c'est pas aussi simple que de décoller un train avec 10 voitures corail ou avec 8 wagons MVGV. Forcément, c'est un peu plus compliqué, mais je n'ai pas trouvé difficile pour autant. On va donc aller jusqu'à Saint-Amour. Pardon, jusqu'à Bourg-en-Bresse. Nous partons de Saint-Amour. Je vous remets les pinceaux. Voilà, je vous mets le F1. Donc on va aller jusqu'à Bourg-en-Bresse, désolé pour la petite confusion. Et à Bourg-en-Bresse, on dira que nous serons relevés. Je vais vous laisser un peu profiter des sons qui diffèrent un peu par rapport à la 22200. Alors c'est propre à la version 7200 PV. Surtout sur les sons en basse vitesse, parce qu'après c'est similaire, voire identique, mais les sons en basse vitesse sont légèrement différents. Donc je vais vous laisser en profiter un petit peu. Voilà, on a dégagé l'aiguille, c'est parfait. Vous allez pouvoir écouter un petit peu les sons. Donc en gros jusqu'à 60 km/h, c'est pour ça que je vous permets maintenant de reparler. Je trouve que c'est un peu plus chantant jusqu'à 60-80 km/h. Après on retrouve les sons qu'on connaissait sur la BB 22200 TVM et qu'on a aussi sur la BB 22200 classique. Mais par contre, ce son-là là, de moteur un petit peu plus chantant, j'espère que ça s'est entendu hein, sur la vidéo. On ne le retrouve que sur ces versions 7200 PV. Autrement dit, si on prend, peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir dans un live ou dans une prochaine vidéo. Si on prend la 7200 V160 que vous avez découvert subtilement en intro de la vidéo, eh bien, on aura exactement les mêmes sons que sur la BB 22200. Donc, c'est juste les versions 7200 PV qui bénéficie de ce petit traitement assez sympathique, je trouve. Hein. Moi, je trouve ça un peu plus chantant, surtout sur les basses vitesses. Après, on retrouve les sons classiques. On va se mettre un petit peu de freinage électrique, histoire que ça s'emballe pas trop. Donc, nous, du coup, c'est pas compliqué. On est limité à 100 km/h tout le long et nous sommes un train de type MA100. Je sais plus si je l'avais précisé. Ça simplifie la circulation et puis je crois que c'est Luzo qui disait ça sur les trains de fret. Vu que la ligne n'est pas très très grande, ça permet de découvrir un peu plus la ligne parce qu'on roule forcément un petit peu moins vite sans forcément avoir des temps de parcours très longs. Donc c'est vrai. Et puis en plus cette ligne est quand même une ligne de fret. Alors il y a quelques trains, quelques TGV, quelques TER qui circulent. Mais c'est surtout un axe pour le fret. Bah, c'est l'axe qui se prolonge. En gros, ça fait la jonction entre les lignes
entre la ligne de Mouchard et la ligne de Dijon. Du coup, on a pas mal de trains de fret, je vais y arriver, qui l'emprunte et je trouve qu'elle est assez bien adaptée. Et puis ça change un peu que de faire du voyageur. Évidemment, vous pouvez faire du voyageur sur cette ligne, mais forcément, vous aurez que deux gares. Donc, ça limite un petit peu les possibilités, même si elle devrait être étendue. Hein. Je crois que Max a annoncé ça sur Twitter et je crois sur le forum RW Central. Normalement, la ligne sera prolongée au-delà de Bourg-en-Bresse. On verra bien. Pour l'instant, on va profiter de cette réalisation. Et puis, j'espère, même s'il y a déjà une version qui existe, je ne sais pas si elle est encore disponible par contre, mais j'espère qu'on aura la version remise à jour de la Maurienne. J'aimerais beaucoup, hein, parce que c'est le territoire de ces 7200 PV, hein, c'est surtout la ligne de la Maurienne. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de la retrouver, même partiellement, hein, même si on ne l'a pas depuis Culose jusqu'à Modane, même si on l'avait ne serait-ce qu'à partir de Saint-Avre, ou je sais pas, ou même de Chambéry, ça serait déjà très bien. Donc je sais qu'il y a une ligne qui est en cours de réalisation, je sais pas trop où ils en sont, je crois que le décor est pas fini, mais ça sera une parfaite ligne pour ces 7200 PV. Mais en attendant, on profite de la ligne de la Bresse, donc, de cette ligne. Et puis après, bon, si ça vous chante, c'est vrai qu'on est un poil limité en 1500 volts sur TS. Bon, il y a quelques lignes qui existent, mais après, bon, si ça vous chante... Faites ce que vous voulez, bien évidemment. C'est vrai que moi j'aime bien mettre les bonnes locomotives au bon endroit. En tout cas, pas toujours été le cas, hein, si vous avez suivi, si vous suivez la chaîne YouTube depuis un petit moment. Mais bon, j'essaye de faire au mieux. Mais après, on fait bien sûr ce qu'on veut. Alors on a une pancarte kilomètre 145, je crois, si j'ai bien lu. Bon, ce qui est un peu bizarre, hein, parce que si on regarde notre fiche train, lorsqu'on voit les PK, on voit du 300 et quelques, 400. Donc soit j'ai mal lu, mais je pense que c'est plutôt la deuxième possibilité, c'est que Max a réutilisé un asset, parce que cette pancarte kilomètre, je crois qu'on l'a aussi dans La Rochelle-Saint-Mexan. Donc je crois que Max a utilisé cette pancarte pour illustrer le fait qu'à cet endroit-là, normalement, il y a une pancarte kilomètre. Qui doit peut-être marquer l'exécution d'une transition de vitesse, ça c'est possible aussi. Mais pour moi, le kilométrage n'est pas bon, mais je pense que c'est juste l'asset qui est comme ça. Donc il faudrait pouvoir modifier la texture et je ne sais pas si c'est faisable facilement ça. Enfin, refaire une pancarte pour que ça corresponde au bon point kilométrique. Bon, là franchement, c'est chercher la petite bête. Hein. Franchement, je m'en fiche. Alors apparemment il y a pas mal de, je crois qu'on en parlait pendant le live, il y a des petits points cachés, des easter eggs comme on dit en parfait français. Petit croisement d'une trax. Il y a pas mal d'easter eggs apparemment sur cette ligne, mais je ne sais pas encore tous trouver. Je sais qu'il y a un spotter qui est sur un poteau de signalisation d'un des carrés, et puis il y a deux trois petites choses cachées, mais je les ai pas encore cherchées. J'ai découvert ça en regardant le live de Luzo, mais j'ai pas encore. Alors je crois que certaines choses sont annoncées dans le PDF et d'autres sont vraiment cachées, donc faut les trouver. Donc voilà, si vous voulez faire de l'exploration de la ligne en caméra libre, ben vous avez des quelques éléments à chercher. Alors le scénario, un petit mot quand même, alors c'est le scénario de base de Max, mais j'ai simplement modifié deux trois petites choses. D'une part, j'ai modifié la compo, puisque de base c'est avec une 26000 et des wagons couverts. J'ai rajouté la 7200 LTER Bourgogne au début, et puis c'est tout. Mais par contre, là en fait on est parti en retard, normalement on croise deux trains, on croise une 22200 infra et la Trax nous vient de croiser. Bon, la 22200, je crois qu'on est tellement parti en retard qu'on la verra pas en fait, elle est déjà passée. Bon,
Je vais essayer de regarder, à mon avis, au niveau des horaires, ouais, ça va être limite, on n'arrivera pas, on fera pas l'heure, mais c'est pas très grave. On va arriver 5-6 minutes en retard, mais bon, forcément, quand on présente la loc, forcément, on met plus de temps à partir. Normalement, ça c'est suffisant, mais forcément, avec ma petite présentation du début, on perd un peu de temps. Alors moi, dans ce pack BB 4400 kW, clairement, c'est mes machines préférées de ce pack, ce sont ces 7200 PV, parce que forcément, vu leur capacité de traction qui a augmenté et autres, forcément, c'est mes machines préférées. Parce que forcément, vous prenez la 22200 V160 et la BB 7200 V160, forcément, on a une expérience de conduite qui est quasiment identique à la BB 22200 TVM, donc il n'y a pas une très grande différence. Alors que les 7200 PV, lorsque vous commencez à mettre un train belle compo lourde comme on a ici, et bien forcément au niveau de la conduite c'est un petit peu différent. Alors c'est pas aussi difficile qu'avec certaines séries, je pense à la SZ363, parce que pour l'instant malheureusement on n'a pas encore les CC 6500. Donc forcément la 7200 étant une machine à électronique de puissance, c'est pas aussi dur qu'avec les anciennes machines, mais forcément faut anticiper un petit peu quand est-ce qu'on remet de la traction, quand est-ce qu'on en coupe, pas que la vitesse s'emballe. Et là où ça vient, où ça peut devenir un petit peu compliqué, c'est sur le freinage, parce qu'il faut pas trop, sur la réduction de vitesse, il faut pas trop surfreiner, entre guillemets, faut réalimenter au bon moment. Sinon on risque de casser beaucoup trop la vitesse du train et à se retrouver à avoir ralenti beaucoup trop. Et forcément sur une position longue comme nous avons ici, 714 mètres, vous l'avez vu tout à l'heure, la conduite générale, elle met un certain temps avant avant que la pression de 5 bars s'y réétablisse. Et donc forcément, il faut faire attention sur les freinages, il faut tenir compte de ça. Et donc du coup, clairement, c'est ma série préférée. Dans ce pack de Cinexpress PV 4400 kW, c'est clairement les 7200 PV. Alors ça ne veut pas dire que les autres machines sont mal faites, la qualité est tout à fait comparable, il n'y a pas grand chose à dire, mais au niveau de la conduite, avec un bon train de fret, je préfère celle-ci. Alors attendez, je regarde vite fait, je regarde OHUD. Bon, on n'est pas encore, on a encore une petite dizaine de kilomètres, 11 kilomètres, avant d'arriver à Bourg-en-Bresse. On va faire une petite vue extérieure, parce que je crois qu'on n'a pas fait. Alors on va essayer, est-ce qu'on va avoir de la chance? Bon non, ah, la vue spotter c'est toujours compliqué. Bon, on va faire une vue spotter manuelle. Alors les wagons en queue, bien sûr ce sont les wagons réalisés par Pierre G. Les autres wagons, on les a utilisés lors du live sur la Trax de 4.1. Je sais pas si la vidéo, si vous l'avez vue sur YouTube, parce que je sais pas trop à quel moment je vais diffuser cette vidéo. Je pense un peu tardivement entre guillemets, parce que y a Max et Luzo, je crois, qui ont montré ces machines là. Donc forcément, on va les découvrir, enfin vous les découvrez sur la chaîne puisque vous regardez la vidéo, mais voilà, sachez que les machines, le pack est sorti mi-octobre, c'est à peu près au moment où je tourne la vidéo, mais vous allez peut-être découvrir ça un petit peu plus tard, histoire qu'on ne se coupe pas tous nos vidéos au même moment, sinon ça risque d'être un peu redondant. Et donc les autres wagons sont faits par Virtual Railroad, pour rappel. Alors, je ne sais pas si c'est bien vu là sur la vue extérieure, mais vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a quasiment pas de son sur la deuxième locomotive, sur la machine menée. Alors c'est normal, j'avais plus ou moins découvert ça pendant le live, et d'autres bien sûr l'ont vu et l'ont signalé sur le forum. Donc Traîneau Cinexpress a apporté quelques petites précisions. Donc c'est normal, parce que TS gère pas bien le son
quand on est en unité multiple comme ça là. Donc les doubles sons, il a beaucoup de mal apparemment, et ça a donné des effets qui étaient vraiment pas terribles. Apparemment, il y a ce genre de problème. Alors j'ai jamais vraiment essayé, mais il y a ce genre de souci sur le matériel de chez VR. Si on met deux locks en unité multiple de chez VR, apparemment on a un rendu qui est pas top au niveau sonore. Et apparemment, c'était vraiment pas bon. Express a fait des essais et c'était, lui trouvait que c'était pas terrible. Donc il a décidé, lorsqu'on est en unité multiple sur ces 7200 PV, il n'y a pas de son sur la seconde machine. Alors c'est pas si problématique que ça, parce que au final, vous avez le son de la première machine et vous avez le son des wagons qui arrivent derrière, qui finalement masque ce son de cette absence de son sur la deuxième machine. Donc c'est pas un gros problème, mais voilà, ça, soyez pas surpris si vous prenez le pack, c'est normal en fait, c'est pas un problème, c'est pour éviter, on va dire, un mauvais rendu des sons. Sur la seconde machine, il n'y a pas de son ou très peu. Voilà, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant en marche sur l'air. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de traction. On va rouler autour de 95-98 km/h, hein, on n'est pas au kilomètre heure près. Alors, on va remettre de la traction parce que là, normalement, on attaque une rampe. Donc, je ne veux pas non plus trop perdre de vitesse. Voilà, forcément, vu notre composition, ça nous oblige à jouer un petit peu du manipulateur de traction. Et bien entendu, on ne peut pas céder de la vitesse imposée puisque cette machine n'en est pas équipée. De toute façon, a priori, au fret, la vitesse imposée n'est pas censée être utilisée, d'après ce que j'ai compris. Et de toute façon, bah, cette machine, elle n'en a pas. Mais bon, encore une fois, je crois que je l'avais dit pendant le live. En fait, c'est pas un problème parce que les machines de SimExpress, que ce soit les 22200, les 7200 ou les 26000, régler la vitesse manuellement sans aide de la vitesse imposée, c'est pas très compliqué. On arrive à doser un poil trop rapide. Voilà. On arrive à doser avec la traction et avec le freinage électrique, on arrive à doser correctement notre vitesse et à se stabiliser. Alors, hein, on était un peu trop. Alors forcément, il y a la tolérance du KVB, hein, je rappelle. En dessous de 5 km/h, il ne nous dit pas grand-chose. Il ne nous dit rien, plutôt. Alors, on voit que le sablage automatique s'est déclenché, donc il y aura potentiellement un petit peu de patinage lorsqu'on va devoir ralentir à l'approche de Bourg-en-Bresse. On ne va plus trop tarder. Oui, on a un TIV Losange 90. Alors, je vais freiner aussi parce que légère dépression. Alors, on a le patinage, la lampe rouge à l'espace qui vient de s'allumer. Voilà, ça s'est éteint, parfait. Donc, tableau indicateur de vitesse de type losange 90, on y est. Alors, on va être un peu plus lent parce que j'ai pas desserré tout de suite. Donc, le temps que la pression s'établisse dans la conduite générale. Bon, finalement, si c'est pas trop mal, 86, 87. Et on approche de Bourg-en-Bresse, donc c'est bientôt la fin de cette vidéo. On va rester comme ça et puis on va refaire un combien on est. Ouais, on peut rester comme ça pour le moment. On va rester en marche sur l'air et nous on sera reçu sur le quai sur la voie 1. Sur la voie, je sais plus. Enfin bon, bref. On va être reçu sur le quai puisqu'on va être en principe relevé. Hein. Gérard nous attend normalement en tête de quai. Donc on va faire la relève comme ça. Donc je ne remets plus de traction, je laisse le train en marche sur l'air, il va, comme ça il va ralentir un petit peu, histoire d'aborder le quai autour de 60. Et juste au sortir de la courbe, nous serons à Bourg-en-Bresse. Et ça sera donc la fin de cette vidéo de découverte, j'espère que ça vous aura plu. On devrait normalement passer en revue très bientôt, probablement en live, la BB22200 classique, V160. Et dites-moi si vous voulez aussi voir la BB7200 V160, sachant que au niveau conduite, on sera très très proche
D'une vente de 200, mais est-ce que vous voulez quand même la découvrir? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça dans les commentaires. On sera. Voilà, autant les 7 piles 200 PV ont un style de conduite et un pupitre un petit peu différent, autant les 7 piles 200 classiques et les 22-200. Alors, on a le TIV40. Donc, autant les 7 piles 200 classiques et les 22-200 classiques ont un pupitre très proche et un style de conduite quasiment identique. Donc du coup, est-ce que ça va pas faire un peu doublon de présenter la 7200 V160 par rapport à la 22200 V160? Bon, après les livrées, il y a des livrées sympathiques sur la 7200 qu'on n'a pas forcément sur la 22200 V160. Donc voilà, mais ça risque quand même de faire un petit peu doublon, du moins dans le style de conduite. Mais dites-moi si ça vous intéresse quand même de voir la 7200, je vais l'appeler voyageur, enfin V160. Mais bon, je pense que de toute façon, on fera toutes les locomotives. Si vous étiez présent sur les lives, normalement, vous avez déjà eu un aperçu de la 22200 classique et de la 7200 V160. Mais on va y revenir hein, sur la 22200 classique. Je suis en train de préparer des scénarios. Et nous, on va s'arrêter en tête de quai. On va lever le second pantographe en prévision du prochain décollage de la rame. Ah, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas Gérard. Ah, si, il est là. Il doit être là. Ça doit être lui. Donc, il va nous relever. Nous, on va s'arrêter par là. On n'est pas trop mal. Bien entendu, on ne tient pas à quai, mais on est sur une rame de fret. On se met au neutre. Et on peut quitter notre cabine. Alors je coupe pas hein, puisque on va être relevé tout de suite. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi si vous voulez voir la 7200 V160 également. On se dit à la prochaine donc pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Salut tout le monde.